Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va hyper hyper bien parce qu'aujourd'hui je vous fais un haul Shein. J'adore cette marque et je trouve que ça fait un moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous ai préparé un haul quand même massif, donc j'ai beaucoup d'articles. Par contre, je dois vous aviser que la commande que j'ai fait, je l'ai fait vers la fin de l'hiver, au début du printemps. Donc il faisait encore froid quand j'ai fait ma commande. Alors vous allez voir qu'il y a des articles qui ne conviennent peut-être pas à la saison actuelle, mais qui vont pouvoir être portés soit à la fin de l'été, pour l'automne. Bref, c'est sûr que je vais pouvoir les mettre un jour ou l'autre. Donc, juste avant de vous présenter mes articles, j'aimerais vous inviter à vous abonner tout simplement en cliquant sur le bouton abonner. Et n'oubliez surtout pas, activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je ne vous mens pas quand je vous dis que j'ai une... j'ai une énorme boîte Shein. Pour vous dire la vérité, je me souviens pas de tous les articles que j'ai commandés parce que ça fait un moment. Et je n'ai pas essayé non plus tous les articles dans cette boîte. Alors, il y a certains articles que je vais voir en même temps que vous, le fit. Et il y en a d'autres que j'ai essayé. Puis, je peux vous dire que je suis vraiment satisfaite. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je vais juste déposer la boîte par terre parce que... Ouh! Ah! Ouch! C'est lourd! C'est vraiment lourd. Ok, on va commencer par le premier article qui est au-dessus de la boîte. C'est... Ah oui, ça, je me souviens. J'ai commandé ça ici. C'est un genre de blazer qui se croise. Mais c'est en simili-cuir. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Je me souviens pas des prix, par contre. Donc, je vais essayer de vous mettre tous les articles. Vous allez avoir les prix. Vous allez pouvoir voir par vous-même. Parce que je me souviens pas. Comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai commandé cette commande. Que j'ai fait cette commande. Donc, cette veste, je l'ai prise dans la taille small. J'ai hésité beaucoup avant de choisir ma taille. Je savais pas trop si je devais prendre small ou extra small. Mais j'ai bien fait, pour vrai, de prendre le small. Le simili-cuir est bien fait. À la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu sac de poubelle. Mais en vérité, en vrai, c'est vraiment de la bonne qualité. À l'arrière, vous voyez, c'est comme courbé un peu au niveau du dos. Les deux cordons font le tour de la taille et vous l'attachez à l'arrière. Vous pouvez aussi l'attacher à l'avant, mais c'est comme vous voulez. Puis il croise comme ça ici. On peut le mettre soit avec une jupe en semi-cuir. On peut le mettre aussi avec un short en semi-cuir parce que moi j'aime beaucoup le look semi-cuir. Et sinon avec un jean, ça passe très bien aussi, avec des talons hauts, des running shoes. J'adore les pièces qu'on peut vraiment dress up, ouais. J'adore ce style de pièces parce que c'est versatile en fait. On peut porter autant le jour pour aller faire des courses, ou peut-être pas, ou le soir pour sortir avec des copines ou un date. Mais j'adore vraiment, j'aime le fit aussi, puis je pense que si je me trompe pas, il coûtait genre 9$, c'était vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, je me souviens de ça, c'est dans la marque Daisy. À ce qui paraît, la marque Daisy, c'est une très très bonne marque de qualité sur Shein. Mais le pantalon que j'ai pris, c'est un pantalon style bureau, pantalon super classe. Je l'ai pris dans la couleur grise. J'adore. Le seul petit hic, la seule petite chose qui me dérange de ce pantalon, c'est la longueur de la jambe. Moi, je suis pas très grande, mais je suis pas trop petite non plus. J'ai une taille moyenne et je mesure à peu près 5 pieds 6, 5 pieds 5. Et je trouve que le pantalon, il me va... Il arrive au-dessus de la cheville. J'aurais voulu qu'il arrive juste une petite affaire en dessous. Juste une petite affaire, mais bon. Avec des talons, si je mets avec des talons, avec des lacets, ça fait très joli. Donc, on remarque un petit peu moins. Mais je pense que c'est dans ma tête. Sérieusement, je pense que c'est dans ma tête, mais j'ai pris ce pantalon pour mettre avec un t-shirt vraiment relax ou avec un crop top, un bandeau, une chemise, mais j'ai l'intention de le porter de manière très très casual. Mais sinon, ce pantalon est vraiment d'une très très bonne qualité, j'adore la couleur. Je l'ai pris dans la taille small. Et je vous dirais que le small me fait comme un extra small, donc prenez ça en compte si vous voulez, si ça vous intéresse de le commander. Mais c'est un très joli pantalon, je trouve qu'il fait qualité Zara ou même H&M. Donc j'adore ce pantalon, j'aime le fait que ce soit à taille haute. Et j'aime aussi le petit détail du bouton noir, c'est très joli. Ah ok, quelque chose que j'avais jamais essayé sur Shein, mais que je suis vraiment contente d'avoir sélectionné, c'est des jeans. J'ai pris 3 paires de jeans. Le premier c'est celui-ci. C'est un jeans à jambes larges avec 2 trous au niveau des genoux, une de chaque côté.
J'adore la couleur du bleu, mais c'est pas le bleu habituellement que j'ai tendance à choisir. Il est quand même assez pâle. Si vous le voyez, je pense que vous le voyez ici à la caméra, vous voyez que c'est un peu délavé, mais c'est quand même léger. À l'arrière, c'est la même chose, un petit peu délavé au niveau des fesses, au niveau de la taille aussi. Et lui, celui-ci, je dirais que la longueur est parfaite. C'est pas trop long, mais c'est pas non plus trop court. C'est vraiment parfait comme longueur. Mais par contre, avec des talons, je trouve qu'il manquerait une petite longueur. Mais c'est un beau jean, je trouve qu'il me va parfaitement. C'est un jean à taille haute. J'aurais aimé peut-être qu'il soit une petite affaire plus ajustée. J'ai pris la taille extra small, qui équivaut à du 2. C'est un pantalon à jambes larges. C'est très, très large comme jambe. Là, comme ça, vous le remarquez pas vraiment, mais sûrement quand vous allez voir porter, vous allez remarquer que c'est quand même fait assez, la jambe est assez large. Celui-ci, je vous dirais que c'est mon jeans préféré. C'est un bleu assez pâle. C'est vraiment la teinte que j'aime beaucoup. Comme vous voyez à la taille, le bouton est asymétrique. Lui, ce jeans, la longueur de la jambe est parfaite. Vous avez une petite fente de chaque côté ici. Il est taille haute, il y a des poches de chaque côté. C'est un jean qui n'a pas du tout d'élasticité. Donc prenez votre taille habituelle. Moi j'ai pris du extra small, encore une fois. J'ai lu les commentaires des autres personnes qui avaient fait les commandes et je voyais qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était fait assez grand, c'était taillé quand même assez grand. Alors ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Mon dernier jeans, c'est celui-ci. Il ressemble un peu à celui que je viens de vous montrer parce qu'il a la même coupe. Non, pas vraiment, il n'y a pas la même coupe. Mais il y a le même détail à l'avant avec le détail asymétrique au niveau de la fermeture éclair et du bouton. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus foncé, un petit peu délavé au niveau de l'avant, mais malheureusement, la jambe est beaucoup plus courte que le pantalon que je vous ai montré auparavant. Je ne sais pas si c'est un crop jeans, mais il est vraiment court. Ça touche même pas à ma cheville. Mais sinon, j'adore beaucoup la couleur. Même à la caméra, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pâle, mais en vrai, c'est un bleu assez foncé. Je l'ai pris aussi dans la taille 32. J'ai pris dans la taille extra small qui équivaut à du 2,34. Donc lui non plus, vous avez vu, il n'y a pas du tout d'élasticité au niveau du jean. On va aller avec ça ici. Je ne sais pas trop c'est quoi. Je vous dis, il y a des articles que je découvre en même temps que vous parce que j'ai complètement oublié ce que j'ai commandé. Ok, je vais répondre. Ah oui, c'est une robe. Une robe que je trouve très, très mignonne pour cet été. Il y a des ouvertures de chaque côté. La longueur de la robe est parfaite. C'est pas trop long, c'est pas trop court. C'est une longueur juste parfaite pour moi. Il y a des bretelles ajustables. Il y a une petite fente. Le tissu est très, très léger. J'ai pris ma taille small. J'ai hésité longtemps entre small et extra small. Mais j'ai bien fait de prendre la taille small parce que au niveau des hanches, ça sert un peu. Donc, si j'avais pris l'extra small, j'aurais eu beaucoup de misère à le faire passer. Mais sinon, c'est une robe très jolie avec des petites sandales d'été ou même avec des talons si vous avez une date night. Ce serait parfait. C'est le genre de robe que j'aime. J'aime les robes qui sont assez simples, mais avec un petit détail qui vient donner un peu plus de valeur à la robe, si on peut dire. Et, oh oui, ça, je me souviens, c'est quoi? C'est vraiment compliqué à vous expliquer, à vous montrer. Donc, je vais vous mettre le clip et vous allez pouvoir mieux comprendre parce que même moi la première fois que je l'ai ouvert pour l'essayer, j'ai vraiment eu de la misère. J'ai rien compris, j'ai dû aller voir sur Shein. C'est ça ici, là vous allez dire c'est quoi ça? Moi aussi je me suis dit la même chose, c'est vraiment joli pour de vrai, je sais même pas quoi vous dire, c'est très joli. Mais moi j'adore, je trouve que c'est original, ça fait vraiment différent. Mais je l'ai pris dans la taille small, je pense aussi qu'il y a d'autres façons de le porter. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer de voir comment vous voulez le porter. On va continuer avec ça ici, que je sais pas c'est quoi. Ah oui, ça. Je pense que c'est très pratique d'avoir des petits tops comme ça dans votre garde-robe. Des basiques essentiels dans votre garde-robe. Vous pouvez en avoir de toutes sortes de couleurs. Vous pouvez en avoir à manches courtes, pas de manches, à manches longues comme ça. J'en avais pas. Je trouve que c'est très pratique. Mais j'aime vraiment. Le tissu est de très bonne qualité, extensible. J'ai pris la taille small, si je me trompe pas. Ouais, j'ai pris la taille small. Il taille parfaitement. Il est pas trop crop. Mais c'est vraiment la longueur parfaite. J'aime la longueur des manches aussi.
Je l'ai aussi pris dans le blanc. J'ai pris aussi dans la taille small. Des petits tops comme ça, c'est vraiment pratique dans votre garde-robe. Vous pouvez porter ça vraiment avec n'importe quoi. Des jeans, des shorts, des jupes. N'importe quoi. Vraiment, ça va avec tout. Ensuite, ça ici, j'en ai plusieurs. Je vais vous les montrer tout en même temps. Ok. Ça ici, c'est tout la même chose. Ce sont des basiques. Des basiques super pratiques pour cet été. Là, vous allez voir, c'est un peu froissé. Mais ces petits tops-là, j'adore ça. Je l'ai pris dans le beige. Je l'ai pris dans le noir. J'ai pris aussi le brun. La dernière couleur que j'ai pris, je pense que c'est ma préférée. J'adore cette couleur. Je la trouve vraiment jolie. C'est comme un genre de bleu-gris. Je sais pas si vous voyez la vraie couleur, la caméra. Mais ça irait super bien avec... le pantalon que je vous ai présenté tantôt. Ici, ça va très bien ensemble. Donc, des tops comme ça, moi, je trouve que c'est super pratique. D'ailleurs, je pensais que j'avais pris en blanc, mais j'ai pas pris en blanc. Donc, je pense que je vais commander en blanc aussi. Ensuite, on va continuer avec un autre top. Celui-ci, par contre, je suis pas trop certaine. Je l'ai pris dans la taille, si je me trompe pas, extra small. Oh non, je l'ai pris dans la taille small. C'est pour ça que c'est un petit peu grand. Au niveau de l'épaule ici, c'est un peu grand, mais je pensais que j'avais pris la taille extra small. Mais il est très joli, je vais vous le montrer dans la partie choyante. C'est un top asymétrique avec une manche comme ça ici, et l'autre manche est juste rattachée sur le côté ici. Je vous dirais que la manche, celle-ci, est un peu serrée au niveau du bras. Mais non, c'est très joli comme top. J'adore, je trouve que c'est différent, c'est original. Par contre, le tissu, je suis pas certaine. Je trouve que le tissu est un petit peu, oui, un petit peu transparent. Mais sinon, j'aime bien. C'est juste peut-être mon article que je préfère le moins de ce haul. Ensuite, ça, c'est quoi ici? Ah oui, je m'en rappelle. J'ai pris deux ensembles de pièces. Ce que j'aime chez Shein, c'est le fait que les deux pièces viennent ensemble. J'adore les ensembles de pièces parce qu'on peut les porter ensemble comme on peut les porter séparément. C'est quelque chose de très pratique, je vous dirais. Donc, j'ai pris cette jupe. Encore une fois, c'est à peu près le même tissu que le top que je viens de vous montrer. Je trouve que c'est un tissu très léger pour l'été, c'est parfait. Donc, c'est une jupe à taille haute, très extensible. Et vous avez une fente quand même assez haute au niveau de la jambe du côté gauche. Je l'ai pris dans la taille small, si je me trompe pas. Le brun, je l'ai pris dans la taille small. Oui. Mais je l'ai recommandé en noir. Le noir, par contre, je pense que j'ai pris extra small. La couleur, elle est magnifique. Regardez avec ma couleur de peau, comment ça fait super beau. Et ça, c'est le top qui va avec. Un top assez léger, très, très extensible dans la taille small. Comme vous voyez, c'est un chandail avec un col assez haut. J'adore la couleur. C'est une très, très belle couleur. Et je trouve que ça fait très bien. C'est un bel ensemble qu'on peut mettre avec des running shoes ou qu'on peut mettre avec des petites sandales aussi. J'adore, j'adore cet ensemble. C'est pour cette raison que j'ai pris la même chose, mais en noir. Donc ça, c'est la jupe. Comme je l'ai dit, le noir, je l'ai pris dans la taille extra small. Puis ça, c'est le chandail qui va avec. Comme je l'ai dit, c'est la même chose que le brun, sauf que lui est noir. Un manche longue, très extensible. Donc, c'est deux petits ensembles qui sont vraiment pas chers. Ok, là, il me reste deux morceaux à vous montrer. Après ça, on va aller avec les accessoires. Ça, c'est une robe. Ouais, c'est une robe. Vraiment, je suis vraiment, vraiment étonnée de la qualité de cette robe. Elle est comme ça ici. Je pense que si je me trompe pas, j'ai déjà vu quelque chose de similaire chez Zara. Elle est comme ça, blanche, avec plein de boutons du haut jusqu'au bas de la robe. C'est une robe assez longue et en arrière, vous avez le dos ouvert. Une robe à manches courtes, oh mon dieu, elle est juste parfaite. Et sur les côtés, vous ne le voyez pas en ce moment, mais sur les côtés, c'est comme toute plissée sur les côtés. Vous avez un élastique au niveau du dos. Je l'ai pris dans la taille extra small. Et c'est une robe magnifique. La dernière pièce de vêtement, c'est une chemise que je trouvais quand même assez originale. Je sais que j'ai plein de chemises blanches dans mon dressing, mais... celui-ci, il y avait quelque chose de particulier. Je le trouvais vraiment cute. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Elle est blanche, crop, à manche longue. J'aime la manche. Celle-là, je n'ai pas encore essayé. J'ai l'impression que la manche est assez longue. J'aime vraiment cet effet. Je l'ai pris dans la taille médium. J'aime bien. Parce qu'en fait, j'ai pris médium à cause qu'il n'y avait pas de...
de small, mais j'ai l'impression que c'est quand même très petit parce que c'est un medium, j'ai l'impression que c'est un small. Et je trouve que c'est très joli. J'ai déjà vu ce style de chemise partout sur Instagram avec un jeans, un peu de destroy, des running ou des talons, ça passe très bien. J'adore ce petit top qui va sûrement être porté assez souvent. On va terminer ce haul avec des petits accessoires. Si vous avez déjà écouté mes autres hauls Shein, vous savez que j'adore commander des accessoires sur Shein. Je ne peux pas passer une commande sans prendre des accessoires. Donc on va commencer avec ce petit bracelet. Comme ça ici. Avec, je sais pas si vous voyez, mais il y a les chiffres romains. C'est très joli, j'adore ça. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que il n'y a pas de fermeture. On peut juste le mettre comme ça ici. Mais moi, j'ai le bracelet. J'ai le bras assez fin, donc il faut vraiment que je le ferme très bien pour ne pas l'échapper. C'est un très, très, très beau bracelet, je vous le recommande. Ensuite, j'ai des boucles d'oreilles comme ça ici. Ouf. Ok. C'est ça ici, j'adore ce style de boucles d'oreilles. Joli, mais normalement je suis pas une personne qui aime les accessoires argentés, mais je le trouvais tellement beau. Je trouve que c'est très joli, ça fait quand vous attachez les cheveux, vous mettez ça ici, ça donne vraiment un... En tout cas, je pense qu'il m'a coûté soit 1 ou 2 $, c'est vraiment pas cher les accessoires sur Shein. J'ai ça ici, ces petites boucles d'oreilles, ça ici. Ensuite, j'ai cela que j'ai pris en 2 fois parce que j'ai 2 trous de chaque oreille. Donc, des fois, j'aime ça avoir les mêmes boucles d'oreilles. J'ai ça ici. Je les ai pris 1 fois, mais j'aurais dû le prendre en double. Ils sont super jolis. Je les adore. Je pense que je vais les recommander. J'aime vraiment ça. J'ai pris une bague comme ça ici. Je vais vous montrer. Elle est comme ça, la bague. Je la trouve très jolie. Elle est ouverte ici, donc vous pouvez l'ajuster. Ça, c'est la bague qui ressemble à mon bracelet. Comme ça ici, elle est comme ça, la bague. Je sais pas si vous pouvez voir les chiffres romains, je vais le mettre. Je sais pas pourquoi on voit pas bien. Avec le bracelet, c'est magnifique. J'aime trop. Voilà guys, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Comme je l'ai dit, je vais mettre tous les articles que je vous ai présentés en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais vous mettre aussi les grandeurs que moi j'ai sélectionnées si ça peut vous aider. Donc, si vous avez aimé, laissez des commentaires, laissez des thumbs up. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous laisse là-dessus. On se revoit très 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 bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!